Bonjour, je m'appelle Adolfo Rodriguez, je suis responsable de développement de l'enseigne Unique Wellness. Unique Wellness est un concept qui regroupe les trois activités suivantes. Le fitness avec les systèmes EMS, qui sont des systèmes d'électro-stimulation, accompagnés avec un coach. L'amincissement et la nutrition. Ces trois activités existent dans d'autres concepts, mais de façon séparée. Nous avons voulu les regrouper dans le même concept parce qu'elles sont complémentaires. Alors, mon associé et moi, nous sommes deux associés, les créateurs du concept. Nous venons du monde du fitness et de l'amincissement. Nous avons une vingtaine d'années d'expérience et on a démarré ce projet-là suite à notre expérience. Et on a voulu regrouper notre expérience dans ce même concept avec ces trois activités-là. Nous accompagnons les franchisés, ce qui est très important, dans toutes les étapes du projet. Les franchisés sont des entrepreneurs indépendants, mais nous les accompagnons dans toutes les étapes. Dès la validation du local, on monte le projet, la formation, et la suite qui est le plus important, c'est l'accompagnement tout le long de notre relation contractuelle. Alors l'accompagnement commercial, l'accompagnement formation et tout ce qui est communication, puisque nous faisons tous les mois, nous créons une campagne de communication. L'investissement Unique Wellness est de 36 000 euros hors local. Avec cet investissement, on comprend tout ce qui est mobilier, tout ce qui est la partie décorative. Et les machines. Les machines, il y a le système d'électrostimulation, les machines pour l'amincissement. Aux redevances, nous avons fixé une redevance fixe, indépendante du chiffre d'affaires, de 400 euros par mois. Donc ça correspond au service d'accompagnement que nous offrons et la partie création des promotions mensuelles. Le type d'entrepreneur que nous recherchons, des gens qui ont envie de travailler, de s'investir, et surtout de nous écouter, car c'est très important. Nous avons la maîtrise du concept, le savoir-faire. C'est très important que les personnes qui nous font confiance nous écoutent pour mettre en place toutes les procédures que nous avons déjà mis en place depuis ces 20 dernières années. Voilà. Mais surtout l'envie de travailler, de s'investir. Aujourd'hui, ouvrir un commerce ne suffit pas. D'ouvrir les portes et attendre que les clients arrivent. Il faut beaucoup travailler, il faut être très persévérant et il faut être un guerrier.